Hey, est-ce qu'il te finance tes billets pour venir voir la scène Trianon Convention Center le 19 mars à 15h pour mon tout nouveau spectacle Entre nous? Pas dire, pas dire, rendez-vous sur ticketclub.mu pour obtenir vos billets. Allez, ciao, bye bye. Salut les fidous, qui peut dire? Moi, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue dans ce journal du vendredi 10 mars. Voici ce qui vous attend ce soir. Aujourd'hui, nous revenons sur ces chants racistes scandés par des élèves d'un collège, mais ce n'est pas le seul collège à avoir marqué l'histoire cette semaine, puisque d'autres élèves ont été surpris en train de chanter des chants sexistes. Que se passe-t-il donc chez nos jeunes aujourd'hui ? Racisme et sexisme à l'aube des 55 ans de notre indépendance. Retour sur cette affaire dans notre reportage de la semaine. Lydia Non a été à la rencontre de cet individu qui a agressé son voisin parce que son voisin Tidi Ali arrête de faire pipi contre son mirail. Elle nous revient avec un témoignage poignant dans ce journal. Mais qui dit journal dit bien évidemment une fausse publicité. Et oui, moi j'ai oublié, effectivement, bien sûr, à la fin de ce journal, Zod Pougain, un petit commentaire sympathique qui nous retenait de la semaine dernière. Of course, ça même pas oublié Zod. Tout de suite, fausse pub. En ce moment, zot pépère pour zot enfants. Mais oui, avec sa quantité d'appli là, l'école pape ouvert, résultat ou pépère pour l'éducation aux enfants. Qui fait au bizarre père quand nous là? Avec half the government school, nous donne cours 10 half de même. Grâce à nous, zot capable gain zot pésac là 75 ans. Get ces élèves là, l'in fait pas seul examen justement. Dia bonjour. Bonjour. Welcome to our school. Merci. Allez, on va faire assembly toujours. OK. Half the government school, pas besoin de payer. Nous donnons notre cours, juste les prendre un petit peu plus le temps. Inscrivez vos enfants au plus vite, parce que si ils commencent ce bon cours aujourd'hui, ils pourront gagner ce PESAC en 2041. Half the government school, pas mis un PS si autres enfants gradués dans 40 ans. Chant raciste et sexiste. Voilà donc qui a marqué l'actualité cette semaine. En effet, des élèves du Collège Royal de Cuepip ont été surpris en train de chanter des chants racistes. Nous n'allons évidemment pas vous passer les extraits qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Ce n'est pas le seul collège ayant été impliqué dans une situation similaire, et non. Puisqu'un autre collège a eu des élèves chantant chants sexistes à l'égard des élèves d'un autre collège pour les filles. Résultat, que se passe-t-il donc à l'aube des 55 ans de notre indépendance? Certains voudraient-ils peut-être raviver une flamme communale dont nous n'avons absolument pas besoin à l'approche des célébrations de notre indépendance? Soyons donc unis, mais eux, que se passe-t-il dans leur tête? Est-ce que... Hein? Qu'est-ce qui n'est arrivé? Nous avons rencontré un de ces élèves du Collège Royal de Cuepip. Reportage. Erreur de jeunesse ou est-ce tout simplement leur stupidité? Oui, des élèves ont scandé des paroles racistes devant un très grand collège connu de l'île Maurice. Nous avons rencontré un de ces élèves. Bonsoir, ouais. Ah, au fait, qui n'a rêvé, c'est nous tu fais santé, nous tu content. Moi tu veux envie et sensibilité personne. Mais qui n'a rêvé quand nous fais santé, tu es un malin, tu es une parole. Parole là, correct, il va moi d'accord, il va essayer. Mais c'est juste pour rigoler, qui nous donne sans ça. Et moi pas de raciste moi. Moi pas de raciste devant mes parents, devant ma famille, mon frère, mon soeur. Moi pas de raciste. Que ça, moi je suis content de toute communauté. Moi pas de camarade, c'est toute communauté. Vraiment, moi pas de tout seul. Bon, mais c'est pas à cause raciste. Moi pas de raciste. Vraiment. Et ça, quand moi, la boutique, moi, qui va venir? Quand la boutique, moi, dis, namaste, venez, aucun raciste.
Même si moi, c'était plus beaucoup gâteau que ça à la boutique, il dit à la rester là, mais c'est pas à cause raciste. Moi, pas une raciste, moi. Là, mon père, il est recté, parce qu'il soit disant, mon père, il est bénichon. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? A few moments later. Oh, nous-mêmes! Pangain de rogné! Balenja, pinichon! Pas pour gagner sports day! Mais on va quoi dans sports, moi? Ça pas une pinichon et une cardio! Avec. Pourquoi banane cancel et tout con, c'est? Mais papa, on bien carré, ça va, mon content, il est quoi? Ça va être bizarre. Allez, nous continuons santé. Allez, seul, nous continuons santé. Ouais, ça, c'est ma qui, ouais. Dans les faits divers, cette fois-ci, sachez-le, un septuagénaire s'est fait agresser par son voisin qui urinait contre son mur. C'est au moment de le réprimander que cette personne s'est donc fait agresser violemment, rué de coups, par une bande de pétu l'esprit. Lydia Non a été à la rencontre de celui qui n'a voulu battre. Lydia Non, bonsoir. Salut Vincent, salut tout le monde. Alors Lydia, dis-nous qui n'est arrivé, qui est capable de nous de ou entretien avec sa monsieur là ou fin besoin. Oui, effectivement, moi coûte sa monsieur qui t'y fait ce besoin, l'omiral ce voisin là, oui, et il y a encore fait ce besoin là. Attends, moi t'y appelle monsieur, monsieur, monsieur. Voilà, oui, souris-moi des rangs. Oui, est-ce que quand explique-moi en fait qui n'arrivait cette histoire, comment dire, faire besoin l'homme mirail voisin là? Ouais, ouais, mon père explique qui n'arrivait là. Ouais. Au fait, t'as dit mon comment dire, tu peux dire comment dire, ouais, ça Michelin vient cause moi, mon voisin là. Ça depuis longtemps, nous camarades ça. J'ai ma ouais, n'a pas fait tout au côté l'homme mirail. Eh, mon père explique quoi nous a fait. Moi, avec Saint Mirail là, on connaît depuis quand nous camarades. Tout le temps, comme je sortis de la boutique, je me dis, tout le temps, ça me rend là, il y a un connaît, moi, mon la vessie, moi, je ne pas qu'à tout, moi, je pas qu'à tuer les moi, je suis colique. Vous comprenez, je suis colique. Je suis colique, ça colique là, comme ça. Je pas qu'à attendre, comment je dégager pour la toilette. Ou pas connaît comment on vit pipi, comme on est là, on mange nous la case, là, même si ça finit, comme on se vit, vous comprenez? Il y a des affaires normales, comme je dis, dans la nature, dans l'éco immense. Moi, je suis venu faire ça, comme je dis, qu'il y avait au corps. Comme je dis, qu'il y a un drame, qu'il arrive un drame. Là aussi, moi, je suis venu faire ça, comme un migraine, là même. Là. Moi, je suis venu faire ça, comme je dis, mon pipi dans ce lacou, si pas, mon pipi dans ce salon, vous pouvez comprendre. Non, vous êtes quelqu'un qui casse sa main de mentalité, là. Pipi là, il y a un droit, pipi pas, tout ça, comme je dis. Moi, je ne suis venu faire ça, pas faire ça. Mais qui est supposé faire là? Trappe-lui dans la main, vous pouvez comprendre. Pas qu'à tini ça, quand il est venu, pas qu'à barrer ça. Oui, ok, je comprends, mais seulement. Ben, il y a un agressement, une bataille, qui est arrivé ça? Ouais, mais il y a là qui est arrivé. Il y a des pécos, mon père pipi, toujours, quand il est comme ça. Vous pouvez comprendre, il est venu dans la guerre, moi. Mon père pipi, quand il a fait mon péca, il peut jamais me battre. Mon péca, trappe-lui, mais il a ramassé l'outil avant. À ce moment-là, quand moi, des coins, nous sommes de la boutique. Là, il y a des causes, vous pouvez comprendre. Mais ça, ben là, ça, voilà, mais mettez-moi là-dedans. Moi, je fais tout, moi. Ah, mais monsieur, la prochaine fois, monsieur. Si vous avez envie de faire Tito, monsieur, faites les clous au Mirail. Oui, hein? Ouais. Au Mirail ouais. Du prochain. Okay, hein? Ouais. Ok. Allez, c'était tout pour moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre news, un autre reportage. Ok? Vincent, donc je te rends l'antenne. D'accord, merci Lydia, mais mon pensée où l'antenne est fait. Merci. Tout de suite, le commentaire qu'il ne fallait pas rater la semaine dernière. Le commentaire qu'il ne fallait pas rater cette semaine, chose rare mais historique, mesdames, messieurs, la semaine dernière, il n'y a pas eu de haters. Il n'y a pas eu. Où sont-ils donc passés? Nous avons donc retenu un commentaire hyper sympathique et on embrasse bien fort S. Chigna qui nous dit « Keep it up, Vincent and team, restez fous ». Et faites-nous rire, surtout Lydia,
top net soban l'idée. Oh, c'est gentil, c'est super sympa. Comme quoi, oui, des fois, on prend des commentaires vraiment sympathiques. C'est grâce à ce genre de commentaires que nous continuons à faire nos vidéos, que nous continuons à essayer de vous faire rire chaque semaine. Et ça, franchement, ça nous va droit au cœur. Merci infiniment. Si il y a une de haters, c'est pas mal non plus parce qu'ils nous comptent quand il y a une petite animation, nous comptent quand il y a 100 gâtes, quand il y a une petite lagueur, quand il y a une semaine prochaine, là, on va régler, on va redire, on va dire, arrase-moi un tué. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Enfin, c'est sur cette note que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, vous le savez, restez fous, c'est comme ça qu'on vous aime. Et qu'est-ce qu'on vous aime vraiment? C'était des commentaires comme ça. On vous aime beaucoup. Gros bisous. Prime, c'est une PAD, man, haters, pas une vidéo.